Yo, bonjour, j'ai ici le matin, on se retrouve sur Assassin's Creed Unity pour un placard Steam. Est-ce que ça va? Bon. Donc aujourd'hui, pour être plus précis, on va compléter les dernières fioritures de ce jeu bien sympathique, hein, qui m'aura tenu pas mal d'heures, donc pas de regret. Et qui est peut-être pour moi un des meilleurs Assassin's Creed. Vous demandez peut-être pourquoi, mais je vais vous l'expliquer au cours de la vidéo. Déjà pour plusieurs points, au niveau de l'avancée next-gen, hein, en quelque sorte, hein, qu'on peut avoir. C'est sûr qu'elle n'est pas remarquable, mais elle est en bonne voie, on dit en tout cas. Donc, on se retrouve avec le petit personnage, hein, vous voyez que niveau du level, je sais pas s'il est plus haut, j'en sais rien, je m'en fous. Niveau de la récolte des trucs, bon, j'ai fait mon taf, mais j'ai pas tout pris. Les petites quêtes bleues, je m'en suis un peu foutu royalement les couilles, hein, il faut le dire. La mission solo, bah, j'ai tout fait. Après, compléter les petits objectifs, bah, ça pas rigolo, hein, mais bon, ceux qui veulent le faire, hein, c'est pas mon truc. Mission coop, j'en ai fait une bonne partie, donc je suis content. Après, les missions de réunion de club, bah, c'était facile. On va faire aujourd'hui un récit parisien, un meurtre à résoudre, ou deux, je sais pas combien, 92%, je sais pas combien, bah, on va regarder, mais normalement, ouais, il en reste qu'un. Et là, il en reste qu'une aussi. Voilà, donc on va faire ces deux-là. Les énigmes, je les ferai peut-être beaucoup plus tard, j'en sais rien, mais là j'ai vraiment la flemme. L'émission compagnon aussi, hein, c'est un peu. Ça sert un peu à rien, disons. Si et ça, à la rigueur, on peut gagner. Bah, vous savez quoi, on va suivre celle-là. Voilà, pour gagner juste la petite épée. Et ensuite, tout ce qui est de ça, bah voilà, vous voyez bien. Alors, on va suivre la petite quête rigolo. Allez, en plus elle est pas loin, mais c'est génial. C'est génial, je vais juste aller voir le test son. Bon, voilà, j'ai baissé le son du micro, hein, ça risque d'être saturé. Donc, si vous connaissez pas Assassin's Creed, eh ben, je vous conseille d'en acheter au moins un parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une série dont on ne peut pas se cacher, disons, parce qu'elle fait tellement de bruit que bon, voilà. Après, si c'est pas votre style de gameplay, je comprends bien. Ça peut pas convenir à tout le monde, bien évidemment. Il y a beaucoup d'aspects que j'aime et d'autres que j'aimerais qu'ils améliorent, mais il a déjà une bonne qualité quand même. Bon voilà, là on a encore les petites quêtes, hein, mais je vous apprends rien, il y a eu tellement de vidéos que on va faire ça en détente. On va commencer par la mission. Ouais, on va commencer par la mission qui consiste, enfin la mission de récit parisien, parce qu'il risque d'y avoir de la castagne et tout. Et je préfère faire un début énergique et finir sur une fin douce, comme ça si c'est le soir. Oui, très bien. Comme ça, si c'est le soir, bah, vous pourrez vous endormir tranquille. Ah, et le team casse les couilles. Je suis caché là, tu vois. Bon. Alors, consultation, on va faire ça. Protéger votre allié. Bon, très rigolo, ça fera un truc un peu. Alors. Yo gros. Déjà? Waouh. C'était rapide, hein. Oula, oula. Ouais, j'ai jamais filmé en jouant, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de record. Voilà. Je changerai de stuff au fur et à mesure des missions. Voilà, pour l'instant, j'ai pris un stuff assez basique. Bon, bah voilà. Pff, alors là, la mission de ouf. Hein. Mission de folie. Du coup. Mission. Mission. Où qu'il est. Il y a aussi les failles. Je pourrais vous en faire une, suivant le temps que ça prend. Attendez. Elle est où la dernière? On va la suivre direct, hein, ça ira plus vite. On fera peut-être une coop aussi, je sais pas vraiment combien de temps ça va prendre tout ça, ça dépend de la faculté à vivre et à survivre. Ah mais elle est pas affichée sur la carte, on dirait. Étrange. Je serais obligé de faire l'autre d'abord? Mais dis donc, c'est pas rigolo du tout ça. Attends, voir. On va essayer. C'est parisien. Lui, Dominique Bourguignon, alias le grand bandit cartouche, est officiellement mort depuis longtemps. L'assassin qui vous révèle qu'il a inventé cartouche chez les Templiers l'ont volé ses mémoires. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc de folie? Bon, on va aller au point là-bas parce qu'il me casse les couilles. Mais du coup, bon, bah du coup, on va peut-être faire l'inverse. On va peut-être faire la mission de. On va peut-être faire la mission de d'enquête en premier, bien que c'est pas très, pas ça me casse un peu mon truc.
Du coup, l'enquête, elle est où? Parce que si j'ai pas l'enquête, là... En plus, je les ai vus l'autre fois, c'est ça qui me rend fou. Là, je les vois plus. De toute façon, il fait... Bien évidemment, il fallait pas que ça se passe comme, comme prévu. Non plus. Bon, alors là, c'est le schnapps. Bon, bah, je vous propose de faire une mission en attendant, hein. Je vais faire une mission en ligne, comme ça. Non, j'aime pas trop les vols. Voilà, les enragés, ça m'a l'air très rigolo. Voilà. Donc je ferai une coupure le temps que ça trouve des gens. Voilà. Bon, voilà, j'ai réglé le problème d'une autre façon. Hein. Je suis allé regarder où était la mission en fait, et puis elle s'est débloquée. Donc voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Petit bug rigolo. Hein. Par contre, j'ai essayé de pas rater mon coup. Bon, voilà. Enlever le HUD momentanément, hein. C'est pas compliqué. En fait, j'aimerais bien. Ah, voilà. J'aimerais bien monter. Oula! Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a fait Spider-Man. Ok, monte. Je vais jamais aller trop ici dans cette zone. Hein. Bon, j'ai pas retourné le jeu plus que ça, hein, mais. Mais bon, vous voyez, la mission elle est juste là, on va la suivre. Allez, tombe. En fait, je suis passé comme ça parce qu'il y avait une espèce de grand mur et que j'avais aucune idée de... Bon bah voilà, j'ai fait n'importe quoi en fait. C'est pas grave. Voilà, on va pouvoir commencer la mission, qui est assez intéressante je pense, vu que c'est la dernière. Donc ça parle de l'assassin de cartouche. Que se passe-t-il, monsieur? Toi et moi, nous aimons bousculer l'ordre établi, non? Je m'appelle Cartouche. Ce nom t'évoque quelque chose? Oui, en effet. Cartouche était un héros du peuple, un amoureux de la liberté et un voleur. Ainsi qu'un assassin. Et il est mort il y a longtemps, battu à mort par les hommes du roi. Alors pardonne mon scepticisme. Ta prudence t'honore, mais j'en ai la preuve. Sauf que mes mémoires ont été volées par les Templiers. On ne peut pas laisser les secrets des assassins tomber entre leurs mains. Je vais leur reprendre ce texte, citoyen. Ne serait-ce que pour connaître la fin de cette histoire à dormir debout. Très bien. Voilà, je vais monter sur cette... Mais je sais pas s'il y a moyen que je monte là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il peut faire le caribou un peu? Non, pas plus que ça. Et sur les bouts de bois? Si, sur les bouts de bois, il peut. Non? Non, oui. Non. Ok, bon, on va repasser par la grande porte. On va changer de stuff, il y a un petit stuff que j'aime bien, je vais l'utiliser maintenant. vous allez voir. En couleur, je ferai à la fin, on verra pourquoi. Alors. Hop. Non, c'est pas celle-là. Merde, c'est laquelle? Attendez. Je retrouve. C'est pas celui-là. Je crois que j'avais mis celui-là. Je sais plus. Vous allez vite voir. En bras. Les jambes, je crois que c'est tout. Ouais, c'est celle-là. Tenue, non, pas besoin. Et voilà. Maintenant, on met la couleur. C'est celle-là ou pas? Non, c'est pas celle-là. Non. Attendez que je retrouve. Je sais plus laquelle couleur j'avais mis l'autre fois. Si, c'est celle-là. À moins que je me sois trompé de. Non, je crois que c'était ça. Désolé, hein, je fais un peu mon truc en schnapps, mais. À vrai dire, je sais plus exactement lequel j'avais mis la dernière fois que j'ai fait ça, mais... Dans le doute, on va mettre celui-là. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà, on va lui mettre... on va garder cette épée, voilà. Voilà, on a notre petit Link. Comme j'aime bien l'appeler. Voilà, ça me fait toujours rigoler. C'est parti. Par contre, je vais peut-être fermer la porte. Parce qu'il y a un peu de vent, mais bon. D'accord. Alors, il y en a là, un 140 et un 150. Bon, ils sont relativement au même endroit.
Je vais activer la carte. Je sais pas si... Oui, il y a des ennemis. Pour l'instant, c'est... Ah, mais c'est bien un territoire ennemi. La question c'est, est-ce que c'est dedans? Si c'est dedans, je vais essayer de faire le tour. Hein. Pour éviter de se tailler avant qu'il nous fasse chier. De ta sale tronche, monsieur. Oula, 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 oula. Qui voulait être discret, c'est un peu râpé. Ok. Voilà, ça au moins c'est fait. Et l'autre, on va les tuer aussi parce que ça va pas nous aider. Putain, t'aurais pu lui sauter dessus directement. Ah oui, mais j'ai pas pris la compétence. Ça. Bon, bref. Pas rigolo tout ça. Du coup, je vais peut-être faire une diversion. Est-ce que les furies atteignent les mecs là-bas? Non? C'est dommage, ça aurait pu être sympathique. Oh, tu sais. Alors, attendez. Je vais les éliminer petit à petit. Hein. J'ai pas envie de me lancer dans le tas. Sinon, on va faire 30 000 fois la mission. Voilà. Merde! Mais tu l'as, t'es un assassin quand même! Ça, ça fait partie des petits défauts de celui-là, c'est que tu peux pas sauter immédiatement dessus, quoi. Des fois, t'es obligé de... de le pousser, d'attendre qu'il se relève. Alors moi, j'aime bien, hein, c'est des valeurs, c'est chevaleresque, quand même, l'idée, mais... C'est vrai que c'est assez bizarre. Voilà, pareil, là, il l'a pas fait encore. Bon, voilà. Mais c'est vrai que l'aspect distraction et le touche, se mettre à couvert et rester discret, pour moi, était indispensable. Et c'est dommage qu'il l'ait pas mis avant, quoi, parce que c'est vraiment excellent comme gameplay. Il y a enfin un peu de... Enfin, ça prend son aspect, quoi. Bon, l'autre, il est bien en train de battre les trucs, du coup. Je peux limite même me mettre là et attendre que l'autre, il se batte. Regardez-le, derrière, il se fait déchirer. On va les aider un peu. A plus. Bah. On va le laisser avec notre petit ami là-bas qui fait du bruit. Ok, nickel. Bon, je suis plutôt calme aujourd'hui. J'ai pas envie de faire trop de bruit. Je suis pas complètement énergique. Vu que c'est encore la moitié, c'est un peu matinée, midi, vous voyez. Bref. Alors. Oh putain. Il n'y a pas un marchand? Non. Bah on va y aller, je crois qu'on va, on va y aller bourrin. Merde, j'ai raté mon coup. Je voulais. Oh putain. Ok, voilà. Attends. Ok, ok, ça va être chaud. Hop, hop, hop. J'enlève le HUD, ce sera plus agréable à regarder. Oh, le skip. Putain, c'est chaud. On va céder un peu. Voilà, ce sera plus simple. Là, ça bug un peu, vous voyez. Ça arrive des fois. Hein. Voilà.
Ah mais c'était avec moi eux. Ah bah oui. YOLO. Voilà. Je suis anonyme là. Ouais. Bon bah c'était pas si difficile que ça finalement. Bon cette vidéo va faire je pense entre 20 et 40 minutes. Alors on va tailler par contre hein, parce que OZF. YOLO la. Allez Taïo. Ah tiens, il y a un petit coffre, on va passer au passage. On va faire encore un peu de castagne. Voilà. Oula, boire un peu de vie. Ah mais par contre c'était peut-être pas la meilleure idée en fait. Ouais. Et voilà. Mais non, y a pas de problème. Merde. Putain, les goupilles, des fois, soit j'ai du gros retard sur... Voilà, c'est trop immédiat. Ok. Des fois, j'ai du retard à cause du jeu qui tourne trop lentement, et là, j'ai trop d'avance. Voilà. 10 000 francs, mais très bien, ça va très rigolo. Allez, on se taille d'ici. Hop, la petite roulade. Ouais, j'ai bien aussi aimé le système de changement d'habits et de stuff en fait. Comme ça, on peut choisir un peu à quoi ça ressemble. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'aurait été le mieux à mon goût. Est-ce qu'on peut monter sur le moulin? Non. Ce qu'aurait été le mieux à mon goût, c'était de, par exemple, d'avoir n'importe quel habit que tu puisses monter au même niveau que n'importe lequel, quoi. Alors, ça demanderait plus ou moins d'argent, quoi, pour le monter à un tel niveau. Mais comme ça, tu gardes la classe que t'as envie, quoi, en termes de style. Mais il y a aussi les compétences, ça fait un peu un RPG Rogue, c'est en RPG, c'est assez sympa quoi. C'est vrai qu'au niveau du parcours c'est mieux, c'est beaucoup plus agréable en tout cas, parce que avant t'as l'impression de contrôler un putain de soldat, enfin un truc en... je sais pas, en... un truc en carton. Ah, attendez, on va écouter. À vrai dire, ce ne sont pas vraiment les miennes. Le vrai cartouche, Louis Dominique, a survécu à son exécution avant de devenir un assassin. Dans ses lignes. Avant sa mort, il a remis ceci à mon prédécesseur qui a lui aussi pris le nom de Cartouche. Voilà, ça me permet d'éviter les bugs de trop grande envergure. Envergure, bon voilà. Alors, m'en vais chercher, à moins qu'elle soit là, mais je m'en vais chercher la position de la dernière meurtre à résoudre. Me revoilà, j'y suis, je vais juste changer le personnage avec vous, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que j'utilise comme truc. Hein. Chacun ses goûts, mais moi j'aime bien le rôdeur. Ça fait un peu plus moderne, je trouve. Voilà. Bon après j'ai mixé avec d'autres trucs hein, bien évidemment, mais globalement bon ça allait bien. Ouais. Mais globalement c'était ça. Voilà. Et couleur, on va passer en blanc. Tout blanc, ouais, ça fait un peu l'inspecteur divin là, voilà, très bien. Voilà, très bien. Nickel, alors, où est la mission par contre? Elle est juste là. Et donc avec ça, je clôturerai la vidéo. Donc là, je vais être assez calme. Hein. D'ailleurs, si vous voulez une autre vidéo calme sur Assassin's Creed, j'ai fait une rediff live il n'y a pas longtemps. Ah. Donc voilà, si vous voulez aller voir, hein, j'étais super calme, c'était pour le 14 juillet. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire sur Unity. Donc, c'est parti. Alors. C'est parti. Marre de vomi et de sang, on a l'impression qu'elle a vomi ses entrailles. Oui, effectivement, le poison peut y être pour quelque chose. Mais arrêtez de gueuler, vous. Bon.
Cadavre de femme, bien habillée, très pâle, environ 45 ans. La cause de la mort n'est pas claire, mais elle a les yeux exorbités. Voir la largeur de la zone. Ah. Sac de femme vide, apparemment assez coûteux, broderie au fil d'or, contient seulement un registre froissé mentionnant l'adresse. Donc l'adresse, on ira la voir juste après. Il y a un deuxième mort. Cadavre d'un inconnu, apparemment un... Putain, ça c'est chiant par contre, qu'ils aient mis ça au même endroit pour... on peut pas lire, c'est super chiant. Apparemment un vagabond, vêtements miteux, sentant l'alcool, redire peut-être de 14... Mais... Aucun signe de cause de la mort, mais les yeux sont exorbités. Donc, espèce de poison aussi, à moins que ce soit... encore une autre connerie. Je sais pas si j'ai tous les indices, mais ça me paraît être bon. Donc on va... Ah non, attendez. J'ai pas vu ça. Fiole de verre portant la trace du même liquide noir que celui-ci dans le... près du corps de l'homme. Pas d'étiquette. Ah ouais. Là, ça sent pas bon. Du coup. Pour l'instant, l'enquête est assez linéaire. Hein. C'est pas comme d'autres où on doit partir dans tous les sens. Oula, jeu qui rame un petit peu sa race. Alors... Oh, mais si les outils commencent à me glisser les couilles. Ah. Ah, je suis désolé, hein, mais ils allaient me saouler. J'espère que les autres vont pas me voir. Non, c'est bon. Nickel. Alors. Dis, alors. Beaucoup de tonifiants sans étiquette. Nicolas, notre chimiste, saurait s'il vient d'ici. Hmm. Vous pouvez aussi demander à Samuel Marant, l'apothicaire. Samuel Marant. Le même remède. Bien. Je vais vous noter les adresses. Mais surtout, ne le dites pas à Madame Baudry. Entre elle et Samuel, on ne peut même plus appeler ça. Oula, d'accord. D'ailleurs, je sais pas comment elle s'appelle, j'espère que je vais pas rater son nom à l'autre. Identique à la bouteille trouvée sur le lieu. Allez. Passe. Sur le lieu du crime, à ceci près que celle-ci est scellée. On ne peut discerner que la couleur et son contenu. Putain. Voilà. Divers remèdes tonifiants. On va faire comme ça. J'ai tout vu. Non, il y a ça encore. De nombreux sacs à vendre, dont certains assez chers, sont utilisés à la même technique que broderie. Bon, en gros, c'est étroitement relié à ce bordel. On y va. Oula, attendez. Donc là-bas, c'est le crime. On va aller à gauche, déjà. Je me perds assez vite, j'ai pas un bon sens d'orientation quand il y a des trucs partout comme ça. Alors. Miam, miam, miam. Oh, putain. Cette mégère n'est pas là aujourd'hui. Elle me paie une misère et j'en ai plus qu'assez. Le citoyen Marant m'a fait une meilleure offre. Marant. Il faut juste que je me prépare un peu de tonifiant. Alors, si vous permettez... Putain. Mais attends, Madame Baudry, c'est celle qui est morte. Par contre, avoir mis la mission au milieu, c'était juste pas la bonne idée, en fait. Voilà. Alors, interagir. Notre mortier complète son pilon, semble avoir dit récemment, dégage une odeur sucrée. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ouh, lettre de Samuel Marant. Une lettre de Samuel Marant à Madame Baudry. Madame Baudry, nos dernières conversations ont été déplaisantes. Pour l'un comme l'autre. Pour vous prouver ma bonne volonté, veuillez trouver 6 juin une toute nouvelle préparation que je vous propose d'essayer. Je suis certain qu'elle vous plaira encore plus que le mélange habituel. Attendez. Qui ressemble à une chimiste, partie pilon, corps d'homme. Ah, c'est le corps de la femme qui me préoccupe. D'autres bouteilles de remède semblables à celles trouvées sur le lieu des crimes. Ok, ça c'est normal. Avec le bordel qu'il y a. Et en plus, c'est toutes les mêmes fioles, j'imagine.
Bien est rempli de formules chimiques et de recettes de remèdes. Quelques-unes ressemblent à des mélanges faciles à allonger à l'aide de sucre. D'accord, pas une tout non plus. Tiens, bah tiens, pendant que t'es là, Rodrigo, rends-moi tout ravitailler. Si jamais. Du coup, on a tout pris ici. Je crois que c'est bon. Ok. Du coup, on va aller à gauche. Alors, j'aimerais bien revoir le corps quand même pour être certain que... Je sais pas si c'est Madame Baudry qui est morte, parce que sinon le coupable est assez simple à trouver, mais j'ai pas suivi ça. C'est le seul détail que non, je me rappelle plus. Donc j'aimerais bien aller vérifier quand même. Voilà. Alors... Et saute, de toute façon tu risques pas grand chose. Voilà. Tu es un assassin Creed. Ah, voler. Ouais. Pourquoi faut voler? Oh merde, me dis pas que c'est la... Merde. Je voulais... Ah d'accord, j'ai fait une double quête. Ok, j'ai même pas fait exprès. Bon, alors là, c'est le pif. Hein. Oui, du coup, faut que je regarde le corps. Hein. Ok. D'accord, ok. Ah, et du coup, attendez. J'y suis allé derrière là-bas ou pas? Bonjour, je fais que passer. Non, j'y suis pas allé ici. Alors, interagir. Mortier pilon, un corps en mortier, oui. Dégageant la même odeur que le... Ok. Boutique d'apocité, patakité, blablabla. Toutes les bouteilles semblent avoir été fabriquées avec soin à la main. Elles dégagent une forte odeur d'herbe tonifiante. Putain, ils disent toutes les mêmes choses aussi, c'est drôle. On peut pas se faire une idée. Des bouteilles, flacons et autres récipients vides, le genre de matériel dont servira un chimiste pour créer un remède. Ok. Donc rien d'intéressant. Est-ce qu'il y a un autre objet auquel je peux faire attention? Oui, là-bas. Bon, on va pas tuer les criminels, on a pas le temps. Ok, de l'oncle que t'es soin, ok. Je n'ai pas l'un de mes remèdes. Vous voyez le bouchon? J'y appose une marque lors de l'inventaire. Il n'y a pas de marque, il vient de chez Madame Baudry. Cette voleuse dilue ses tonifiants avec d'autres substances pour en réduire le prix. Ça nuit à mes affaires. Et ceux qui abusent de ce produit courent à une mort certaine. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Viens ici, toi. Du coup, ça fausse un peu les idées que j'avais. Parce que... Du coup, là, j'ai toutes les cartes en main. Parce que moi je pensais que ce serait Samuel Maran là. Étant donné la haine entre eux, mais est-ce que ce serait aussi simple? Parce que l'autre aussi, elle le paye pas assez. En même temps, il y a la lettre. Bon, vous savez quoi, on va se fier au simple. De toute façon, de la réussir du premier coup, je m'en fous un peu, je vais vous avouer. Mais lui, il me semble... Vous voyez le bouchon? J'y appose une marque lors de l'inventaire. C'est facile de dire ça en plus. Il vient de chez Madame Baudry. Cette voleuse. Bon, tu sais quoi, allez, bah écoute. Substance pour en réduire le prix. Oui, c'est moi. Ah bah oui. Mais combien de vies ai-je sauvé de son maudit poison? Ouais. En même temps, ça me semblait difficile d'être quelqu'un d'autre. C'est bien ce qui me semblait. Quel salaud! Oh le salaud! Du coup, on aura fini tous les trucs, on aura quasiment toutes les armes hein, avec ces conneries. Bon, à part celles qui sont sur les coffres et tout, mais bon. Du coup, la vidéo touche bientôt à sa fin. Si vous êtes endormi, bah, tant mieux pour vous. Sinon, bah, tant mieux aussi. Dans le meilleur des cas. Hein. Je protégeais les citoyens de Paris. Cette femme méritait de goûter à son poison. Effectivement, c'est une belle approche, mais c'est un peu criminel. Où est Vidocq? Cet animal s'est mis au bout échappé. Vous en faites pas, je l'aurai vite rattrapé. Il n'est pas très malin. Un de ces jours, il finira sa course sur l'échafaud. D'accord. Vous avez eu de la chance de ne pas finir empoisonné. Allez, prenez une arme. Ah.
Korzek. Qu'est-ce que c'est que ces termes? Compétences. Non. Préparation d'équipement. Armes. Non, ça c'est le katana, mon préféré. Attends, il y a un petit point d'exclamation si elle est nouvelle. Scabbard, non. Glaive. Non. Rapière, non. Ça doit être une arme longue, non? Oh, elle est jolie celle-là. Ah, mais je l'ai en plus, du coup. Bon, c'est une armure lourde. Bon, désolé, je sais pas comment elle est. Ah, mais c'était. Non, mais non. Ah, mais c'était peut-être pas. Si, c'est des armes pourtant. Bon, bah, je sais pas. Je vous avouerai que. Le fusil à pompe. Je vous avouerai que j'en ai aucune idée. J'ai dû rater, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'était bien fun. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va clôturer ça. Ah bah, en plus, oui, du coup... Une nouvelle manette s'est connectée. Ah bon, sans déconner, je joue avec quoi depuis tout à l'heure? Tiens, on va escalader ça. Oh putain, le nombre de PNJ qu'il y a ici. Ah bah oui, mais ça doit être... Ça doit être le palais, je sais plus quoi. Là. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce jeu qui est pour moi, comme je disais au début, un des meilleurs Assassin's Creed, hein, de par bon, bah, ses graphismes qui renouvelle complètement, même si c'est encore un peu trop tôt, je trouve, une qualité comme ça. Enfin, je veux dire, là, on est en faible ou en médium, c'est déjà vachement beau, mais c'est vrai que pour certains PC, c'est pas possible de le faire tourner. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez continuer à regarder un peu toutes les autres choses qu'on a fait. Moi, je m'en vais pendant 2 semaines, normalement, là où au moment où je vous posterai cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera après. J'ai préparé 2, on va dire, let's play. Donc, voilà. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances, allez vous baigner, faites n'importe quoi. De toute façon, vous avez le choix. Et passez une bonne journée. A plus.